que tu fais depuis la quête. Obéissez. Non. Rien de fou. Comment tu vas juger? Qu'est-ce que tu fais? Tu, genre, tu lis la tête? Ridicule quoi! Ah, wrong! Du coup, on lit les quêtes dans un RPG quoi. Ouh, les robots! Elle est là, elle est là. Elle est planquée dans le marais. Wow, vous ne devriez pas prendre les gens par sur. Ah putain, ça boit! C'est la voix de Kara, Nightly! C'est la voix de qui? C'est la voix de la dub française de Kara, Nightly. Non. Si. Oh, d'accord. Mario a parlé de quelque chose. Si, si, complètement. Oh my god. En plus, elle a vraiment la gueule de vampire Kara, Nightly. Attends, je vais voir. C'est ça son nom. Retrouvez-moi dans la caverne au nord. Ouh! Ah! Ah! De trouver mon frère. Blablabla! 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 Imagine nous dans un vrai RPG, genre la meuf te raconte je dois retrouver mon frère, il est en danger! Alors moi j'ai un perso, il parle que comme ça! Et la tonton, il s'en pipi! Tu vois, c'est Pierre derrière nous, hein. Regarde là où je regarde. Elles ont eu la flemme de tomber, tu vois. Au mieux, elles se sont dit, tu sais quoi? Je suis pas assez payé pour ces conneries. Elles se sont regardées en train. Oh, mais tu sais quoi, Jessica? Attends. Réfléchis bien à ce qu'on va faire là. Révolution! Révolution! C'est quoi, j'ai bien réfléchi. Tu sais, les meufs qui font quand même ouais, mais non et tout machin, on va quand même négocier, réfléchir. Pour et contre. Tu sais, ouais, les meufs qui syndicalisent. Genre deux ans plus tard, tu sais, à la fin du donjon, y'a plus personne dedans, et là t'entends un vieux caillou qui tombe, genre. Ouais. C'est le seul! Et tous les autres en mode oh, oh. Et voilà, elle a craqué. T'as complètement desservi la cause. Franchement, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, qu'on va faire entendre notre voix, d'accord? Franchement, tomber ça me saoule là. Tu sais que le donjon est tellement facile contre les meufs, imagine le discours des cailloux. Bah, je te suis aussi, moi. T'inquiète, je me suis pas tombé de 1. Hein. Allez dans le marais. C'est quoi ça? C'est prendre un frottis. Exactement, tu peux recueillir des frottis, ma petite cochonne. En fait, si t'arrives à collecter tous les frottis, t'as une carte ou je sais pas quoi, tu peux pouvoir foutre de ta main. Les frottis, putain. Les frottis frottas. T'es conne. Un chat. Enfin, c'est une chatte d'ailleurs. D'ailleurs, pour être exact. Là, c'est une grosse chatte. Je m'en souviendrai. Probablement pas. C'est la seule chose que je vais retenir dans cette conversation. Donc là, on a parlé à la grosse chatte à un moment et la quête. Et là, ce qui va se passer, visiblement, on est dans le marais et puis il y a des chattes et des puces. La meuf, elle vient d'acheter une maison miteuse avec. Je l'ai pas acheté. Je n'ai jamais mis les pieds. Genre, elle a trouvé aussi les clés dans son portefeuille. Genre, ah, mais toi, qu'est-ce que c'est? Donc là, on peut faire des goûters. Ouh. On aime. Oh là là. What? The fuck, t'es descendu ici? You. Synchronisez le lieu. Tellement. C'est sûr que c'est pas une location. C'est sûr que tu dois pas rendre les clés à 16h. Non, j'avoue pas, grave, tellement. C'est rien.